TVLakayHaiti.com, gros bonjour et bonsoir pour toutes fanatiques, amis, compatriotes. Jeudi, c'est mercredi 25 janvier 2023. Et c'est Canal Pola qui entre la caillou avec une nouvelle vidéo. Bourré en pile d'informations concernant dossier insécurité dans le pays d'Haïti. Et bien, il faut que nous disions que dans le moment où on a parlé là, France LB, monsieur paniqué, monsieur gen gros problème, monsieur même. Eh bien, pas qu'on est qui ça pour le faire, est-ce qu'il doit remettre démission? Et si on parle qui pas facile, dans le pays d'Haïti, pour on est travail dans l'État, pour le remettre démission, après après le trouver que il pas gain capacité à qu'un, et donc, compétence pour poste là, n'est pas facile, n'est plutôt rété là, à faire l'argent, mais question, et bail démission, c'est pas un bagage qui facile. Eh bien, n'a dit que France LB, qui s'est DG, la police là, après Léon Charles, fin, et donc, retiré colis, et puis, aller qu'à Tonton Sam. Eh bien, mesdames et messieurs, je dis à la France LB, par contre, si vous le faites à gauche, si vous le faites à droite, si vous le faites en haut, si vous le faites en bas, parce que vite l'homme sait que monsieur, tout côté dans le pays, a, et c'est vite l'homme avec ISO qui a dirigé le pays d'Haïti, parce que li clair, tout côté viré, autant de groupes gang ça, c'est pour vite l'homme, autant de soldats ça, c'est soldats vite l'homme, autant de soldats ça, c'est pour ISO, autant de l'autre ça, là, c'est pour ISO, qui donc, nek ça, finalement, prend pays à pour yo, et là qu'on est vite l'homme, rete tout près, ambassade américaine, et l'autre de, et donc, vite l'homme a fait tout un déblosage ça on n'a pas besoin de dire et donc qui qualité complot qu'a fait pour craser pays d'Haïti non mais nous même haïtiens. Et bien, mesdames et messieurs dans vidéo ça nous voter pour là nous va faut vivre image yon bandit qui habillé avec uniforme la police et c'est dans Canaan et groupe gang Canaan qui a dirigé par Jeff. Et bien, mesdames et messieurs nèg ça qu'on y a là c'est un policier. Yo viré, c'est un policier, yo fait circulation, c'est un policier, yo kidnappé, touye, violé fille, 14 ans, 12 ans, maman, qui donc nek sa ou sans pitié dans Canaan, ou pral wè image en tout ça. Et gen Izo tout, qui lui même, dans le moment où on a parlé là, Izo gen la gueule OnlyFans, Izo la gueule en fait créé, vidéo créé, Izo prend la rue, vidéo paquet ti moun paquet bel ti femme bel ti madame bagay bien en forme qui descend à joindre Izo dans village pour al faire créer pour al faire vidéo OnlyFans donc son bagay comme ça lié dans moment n'a parlé là bagay yo en pile dans pays a nous pral inviter au gain détail gagne tout colonel Imle Rebu qui lui même déshabillé déniché États-Unis dans dossier force militaire qui vient pour entrer dans le pays. Jusqu'à présent, théâtre qu'a fait, jusqu'à présent, c'est comédie qu'a fait, jusqu'à présent, États-Unis à Canada a passé peuple haïtien. Non, t'entends, jusqu'où n'y a, y'a pas qu'à venir avec force étrangère là, dans le pays d'Haïti, alors que Ariel te fait demande ça en urgence, eh bien, même matériel nous acheter dans le Canada, y'a ben nous des matériels refaits, alors que y'a voué paquet, et chablende by Ukraine pour faire guerre, en tout cas. Haïtien, faut que nous prenions destin nous en main, sinon, c'est nos carrés. Bon écoute tout le monde, bon mercredi, n'a tout. Il y a plusieurs nègres qui habillés, et puis, ils ont pensé, bon, regardez monsieur pour par exemple, monsieur là, il semble un policier circulation, gilet sous lit, monsieur campé, zamni nan men doit il campé, ça te prend le trahi, monsieur, c'est tennis là. Seul ça trahit, monsieur, et tennis là, oui. Tenez bien, oui. Ça veut dire que seul ça trahit, monsieur, c'est tennis là. Ça dit, l'on croise à monsieur, kepil nan tête li, li gen doit te mettre ça dans le visage, li, comprenne peut-être pour poussière. Ça dit, seul ça, monsieur gen gilet qui marque police sous lui correctement, oui. Seul ça trahit, monsieur, là, c'est tennis qui est dans pied là, oui. Est-ce que vous avez qui est à Haïti? Non, mais est-ce que nous avons dans quel niveau le pays a tombé? Bayon, Bill. Merci, ingénieur Gadi. Non, bayon, Bill. Ça veut dire que. Bayon, plus que ça, hein? Parce que,
Qui ça vous comprenne la société? Si, je dis, vrai haïtien, haïtien conséquent yo, pa met tête yo ensemble, pour yo font bagay la, pour sauver pays, hein? Pays a gentil titre de deal, pays a sauvé guide nous. Nous clair sous ça, oui? Si nous pas, bon, si nous pas font gens là, pour nous font faisceau, malheureusement, mou nous pensons de ta mettre tête ensemble dans les sous de blouse à yon kapé, mais si nous pas font gens pour nous font faisceau, pour nous sauver pays, hein? Pays a sauvé guide nous. Moi pose question, pour qui ça on est que vous vite l'homme qui a tout pouvoir ça en Haïti? Mon impression, iso ak vite l'homme jodi an, c'est deux nèg qui gen plus autorité comme chef gang en Haïti. Pour le boucan, monsieur gen tout G9, etc. Bah, monsieur, bah, monsieur plus articulé comme nèg qui mieux formé que nèg sa yo. Ok? Evite l'homme dans son zuzu, bou surette yo abdi tintin. Pour le boucan, son nèg qui mieux articulé. Mais deux nèg qui paraît plus puissant pe, jodi à la nan région métropolitaine, nan, c'est iso ak vite l'homme. Côté puissance ça sorti. Et m'dap dit ça, m'dil plusieurs fois. Pas grand kien côté sous la terre pour bandi à l'aise comme ça. Raison fondamentale, on chef gang à l'aise comme ça dans pays, ou bien bandi ka à l'aise comme ça dans pays, c'est parce que c'est bandi qui a dirigé le pays. Bon, m'en reprend samedi. Fait TikTok à clé. Oui. Ça veut dire que raison fondamentale pour gang à l'aise comme ça dans le pays, c'est parce que c'est bandit qui a dirigé. Pas dans quel côté sous la terre pour un monde comme si pour bandit à l'aise. N'entends longtemps, mon blême d'appeler. L'on n'est que c'est bandit, c'est gang. Oui. C'est Kounia, ouais, chef gang sous monde. Pour m'badou Kounia. Ils ont tellement à l'aise comme chef gang. Monsieur Kounia, en plus que kidnapping, ils font poser sous lui, c'est man autre gérer ça. C'est ça fait drogue, monsieur a réglé sous l'enmer, Kounia. Kounia, en plus de ça, pendant ma parole avec là, on va dire ça. Monsieur c'est vidéo Kounia, monsieur son acteur porno lieu, en plus artiste mafia. Kounia chef gang Izo, c'est un acteur pornographique monsieur Kounia. Oh, une vidéo monsieur là, oui. Et ça fait me dire non mes amis, attention, fais prudence. Jeune ti fi, m'a regardé belle ti moun que ils ont fait créer avec dans village, c'est pas tête fait mal oui. Ti moun ou pas imaginer oui, k'ap descend dans village, kalbay izo plaisir, kounya izo tellement vin à l'aise, l'a filmé yo. Son pays difficile. Ça le dit qui ça la société? C'est mon pas de jambes vivre dans baïsa côté comme si c'est kounya ouais longtemps l'on est volo c'est dans cacher le rete oui kounya volo sou moun comme si volo son métier son profession qui sont apprendre volo côté on travaille dans 5 secondes dans G9 dans craser barrière c'est ça c'est là la travail c'est pas normal la société. Nous pas faire payer ça. Malheureusement, il est arrivé. En tout cas, on a parlé avec maître magistrat Kibouza Mouk. Nous pral fonti parler sur plusieurs bagay qui gen pour avec la justice parce que le biblique la justice élève une nation, le biblique. Mais ça m'a regardé Haïti là, c'est l'injustice totale, non pas qu'à niveau. Ça prend temps pour une sortie côté hier. Malheureusement. Mais ou qu'a seulement réfléchi. Village de Dieu, par exemple, à quelques mètres du Palais National. Nèg a exam qui fait primature là, pas qu'à arrêter dans le bicentenaire là.
Jouté font tentative dit que le bras l'ouvrir, etc. Après ça, m'amène dans encore. Imaginez que vite l'homme, monsieur c'est voisin, ambassade des États-Unis. Monsieur fait salver l'autre bois. Monsieur c'est voisin, Josué Pierre-Louis dans le palais national. Sortant dire. Monsieur c'est voisin, paquet gros chef qui actuellement a dirigé. C'est pas normal. C'est triste. Pour personne, pas j'en fais rien pour freiner ça qui est là en Haïti. Et yon nan puissance vite l'homme sorti directement de moun ki nan pouvoir. Parce que gang pa ka gen plus autorité que force légale. Ça n'existe pas. Quel que soit pays à travers le monde. On joue na comprendre. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. On a fait contact avec Maître Kebozamor. Nous avons deux points que nous avons gardé ensemble matin. Dossier HCTA également. Nous avons dit que le secrétaire d'État des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui renouvelé, qui réaffirme encore, qu'il y a une urgence pour Haïti recevoir une force d'intervention et spécialisée internationale. Alors là, ça que nous avons connu comme militaire, une force d'intervention spécialisée internationale avec une force multinationale, une force militaire multinationale, c'est quoi la différence? Bon, il faut comprendre, secrétaire général, là, il n'est pas en Haïti, mais il y a un représentant. Mm-hmm. Et représentant, ça, c'est Madame Lalim. Oui. C'est quand on joue avec les oreilles que le secrétaire général a en Haïti, et il y a une obligation pour faire confiance à un rapport que moun li gen comme représentant en Haïti a fait, parce que le conseil de observatoire dans tout domaine qui ba yo suivant point de vue ba yo, on lecture de situation haïtienne nan, à partir de là yo fait des propositions. Eh bien, pour comprendre prise de position publique secrétaire général des Nations Unies, faut comprendre qui ça moun qui représente en Haïti a pensé. Pensé très bien. Madame Lalim en dans un course poursuite, pas oublier que son fonctionnaire qui gagne une mission, l'a travaille pour Nations Unies, mais pas oublier les sont citoyennes américaines tout. Très bien. Yo te prend initiative pour te fédérer gang yo. Yo ils vont côté yo rend yo compte que yo perdu contrôle gang yo. Et que c'est une mauvaise idée. Parce que Mme Lalim est rentrée en dedans un projet politique avec le président Jovenel Moïse, une série de monde qui était entouré. Mm-hmm. Côté de comprendre, si on te mène un pays à non gestion par décret, c'est la manifestation de force de l'État. Et que l'option, ça a été capable à des élections. Parce que l'objectif des Nations Unies, c'est sortir dans un broglio politique. Nous sommes là pour faire des élections. Claire. Il n'y a pas besoin qu'on ait élection qui, Jean. Avec qui problème à venir, parce que leur élection n'est pas faite, ils ont retrouvé mal à l'aise parce qu'ils sont en situation de rupture de l'ordre démocratique. C'est bien. Donc c'est ça qu'ils ont besoin de faire. Maintenant, pour y arriver à faire ça, ils ont du tout. Que yo pas qu'a fait élection dans ambiance insécurité qui gagne là. Lors où elle demande des forces robustes là, c'est pas lui-même qui demande, c'est Madame Lalim qui demande. Très bien. Parce que Madame Lalim gagne bon et donné sous dégâts que le provoquait en Haïti, non encouragé à faire gang ça dans fédéral. Peut pas dit qu'il t'a fait par méchanceté non. Parce que qu'on est étranger, qu'on manière yo wè bagay. Et assez souvent yo wè en dehors de réalité culturelle et de réalité historique pays. Toute force wè la pandia, c'est reconnaître que yo font faute. Il y a pour qui jan yo ka jwenn une solution pour yo font jump. Très bien. Sous affaire élection pour yo ka sorti dans bagay yo. Très bien. Donc demande au secrétaire général à nouveau renouveler ya. C'est Madame Lalim qui m'a dit. Pour qui ça? Et m'a dit, pour qui ça, Madame Lalim m'a dit? Pas un rien, Madame Lalim, pas fait pour
pour créer une atmosphère apparente. Écoutez bien, Zamdou, là. Une atmosphère apparente de sécurité pour courir à faire élection tout de suite. Très bien. Parce que vous connaissez six situations, ça a été déjà lié à. Les cap débouchés sur n'importe qui bagaille côté perdu contrôle la net. Kounye ya, qui destin proposition le faire? Li fait demande là au niveau de Nations Unies. C'est secrétaire général là qui pote. D'ailleurs, ce Dumba et Louko, m'ba même ba ou 99.99%, bon 100% carrément. Merci. Si on t'a interrogé, quel que soit haïtien aujourd'hui, chaque patriote là n'est capable pas répondre. Bien, bien, bien. Mais ça ne veut pas dire dans quem, dans tête moi, moi pas penser c'est une solution qui t'a capable permettre nous sortir côté nous là. Bien, bien. Je te parle du patriote. Oui. Mais le technicien qui m'habite qu'on est de toute façon, c'est un faux bagage que nous avons ouais. Maintenant, l'analyse politique, qu'après de géopolitique, dit que devant ça, que le secrétaire général fait, elle a bien même destin avec l'autre demande. Très bien. Pourquoi? Les données n'ont pas changé au niveau du système des Nations Unies. Est-ce que là, pas un problème tout, donc, colonel Imler Rebu, pas oublié. Et c'était en fait le vœu du secrétaire général des Nations Unies. D'ailleurs, pour une fois entendre ça, c'est l'Ictésil dans France 24. Ensuite, où est que le gouvernement haïtien a formulé demande là officiellement. Mais ça n'a pas empêché que tu aies un débat au niveau des Nations Unies, tu aies des voix discordantes. La Chine, par exemple, non. La Russie, par exemple. Non. Est-ce que cette fois-ci, papa l'a obligé de passer par le même processus là? Mais dès que l'arrivée dans les Nations Unies, l'impact décision pas qu'on sorti par une autre route. Bien. Il faut que son résolution des États-Unis, des Nations Unies, qui baille secrétaire général la pouvoir pour le mettre force là en place. Bien. Et pour le mettre force là en place, il faut l'utiliser. Parce que c'est autorisation ça. C'est résolution ça. Cap baille pouvoir pour le débloquer fonds, pour affecter à logistique force là. Très bien. Oh, je vais retrouver un même problème là encore. Même problème là. Problème la Russie, a problème la Chine là. Correct. Parce que dès que tu passes par les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité qui doit décider. Très bien. Très bien. En deux Conseils de sécurité, il y a un seul vote de blocage et de une cinq membres permanents bloqué projet automatiquement. OK. Maintenant, la différence entre une force spécialisée internationale avec une force multinationale, est-ce que là, papa a plus, papa a moins de débat? Non, c'est blague. C'est quand vous avez dit force robuste là, c'est adjectif, il y a mettez devant un bagage, son parole. Très bien. Parce que quand tu dis une force robuste en Haïti, la situation nous est là. Son force qui vient faire la guerre. Correct. À qui est-ce? Avec des hommes armés qui en civil, en dans population, quand on doit jouer 10 000 personnes, et puis dans 10 000 personnes, il y a 300 qui ont des armes seulement. Et de fait, c'est dans la guerre venue, colonel Rebu. Parce que la situation. L'opassé. La situation de aujourd'hui. Reconnaissance. La situation de aujourd'hui en 2023. N'est pas celle qu'on a connue en 2004. En 2004, tu as qui a et fusil M1 dans mes yeux, tu as arme de 9 mm de baron ça. Mais je dis à la, monsieur qui là, il a une arme de guerre. Donc, c'est bon bagage. Et puis, à un moment donné, en tant qu'analyste militaire que je gagne, naturellement, sens de responsabilité ne pas permettre de parler de données ça en public. Très bien. Et ou qu'on est même si on va parler, c'est quand on est médecin. Mais bien sûr. Il y a des devoirs de réserve, il y a un dernier bagage que le pas foutu dit. C'est clair. Par exemple, un médecin qui grand monde, il voit monde à l'article de la mort. Dans 15-22 jours, ça t'est arrivé avec un bon ami m'a gagné. OK. Médecin dit oui, mais il me la profession obligé me dit madame dans ça.
Okay. L'homme m'a dit pour qui ça, il dit oui, mais on l'a mort subit dans la famille, qu'on a des conséquences sur le plan juridique, il est mieux que mon au courant pour qu'on range une série de bagailles. De bagailles, bien bien. Donc, le ça, moi-même, l'intime ça, moi, font, j'aime parler avec madame, non, moi, dis madame, non, mais telle situation, mais qui j'en ai fait pour nous ranger, nous, mm-hmm. même qui concerne directement, je ne parle pas avec de ça. Bien bien. Parce que je connais son équipe tempéramental, si je t'ai dit ça, il t'a peut-être rentré la caille et puis je t'ai mis fin à ces jours. Ouais, ouais. Donc, il y a des professions, il n'y a pas qu'à parler de tout le bagaille. Oui. Et pour qui sont ouais, les États-Unis? Mais madame Lali, je n'ai pas pris une décision que tu prends pour te pousser Dr. Ariel Henry, mandé pour envoyer force. Parce que là où Dr. Ariel Henry demande force, là, les États-Unis, politiciens, écoutez bien, politiciens aux États-Unis, tu es d'accord avec le principe pour force la vie. C'est bien. Et tu as fait tout effort pour le venir. Maintenant, il y a une différence entre politiciens avec stratèges militaires. Par exemple, aux États-Unis, président Trump, à un moment, il était capable de déployer l'armée américaine et sous territoire américain. C'est bien. Ces politiciens ont divagué, ils pensaient ça le bien. Mais qui sont ouais, secrétaire d'État à la défense, là, vient rappeler que les États-Unis, suivant la doctrine, n'ont pas le droit de déployer l'armée américaine sous territoire américain. Ça, c'est pas le Congrès qui décide. Qui décide. Côté, il déclare l'État de siège. Donc, le président n'est pas capable. Maintenant, dans ce cas-là, à qui ça nous attend, nous devons attendre à notre résolution des Nations Unies? On m'explique bien. Dans les États-Unis, tu fais, Mme Lalim, ferme des docteurs, pour te faire ça. Mais tu as une analyse politique qui n'est pas une analyse technique. Le Kounyayal ou stratège Pentagon, c'est eux-mêmes qui prennent mettre en application décision politique là. OK. Yo ba yo des données qui montrent qui ça a ça pour présenter pour les États-Unis. Moi même comme un analyste militaire et analyste d'opération. Ces données ça me gagne qui faut me te permettre le sorti résolution au niveau et gouvernement le 7 octobre, le 9 octobre moi sorti